Dans le paquet! Bienvenue à Dans le paquet. Cette semaine, épisode numéro 24, on va revisiter les cartes Tim Hortons, ceux de Noël, pas ceux de Team Canada. On a 40 paquets à ouvrir, alors cette semaine, ça va être ça. Je prends aussi le temps là, d'annoncer le concours pour nos 50 subscribers. Ça va être un bâton Connor McDavid, Tim Hortons. Alors, je vais vous donner les détails là, à la fin du vidéo. Il suffit de le regarder jusqu'au bout. Alors, sans plus attendre, commençons. Bon, alors les fameuses cartes Tim Hortons. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. C'est pas grave. Moi, j'en ai ramassé beaucoup dans le temps des fêtes. Et là, on a 40 beaux paquets à ouvrir. J'ai fait deux belles piles de 20. On va commencer par la pile de gauche, tout le temps la meilleure. Mais c'est sûr que c'est moi qui les ai fait. On cherche à compléter l'album au complet. Je suis pas sûr si ça va être possible. Ça nous donne 40 paquets, 120 cartes. Léon Draisaitl. Oh! Et voilà. On commence avec un Hockey Heroes Blake Wheeler. Je pense que c'est ma deuxième ou ma troisième Hockey Heroes. Nice! Écoute, on commence en force. First Pack Magic. Kevin Hayes. Dans le fond, c'est ça qu'on cherche, là, les Hockey Heroes. On cherche à finir aussi l'album, la collection. Pas sûr qu'on va y arriver là au niveau des inserts. Mais on va essayer d'y aller au mieux qu'on peut. Jason Zucker. Ovechkin Superstar Showcase. Et Braden Chen. À chaque carte là, qu'on a, je vais essayer là, de montrer dans le cartable ce que ça donne. Là. En même temps qu'on les trouve. Si on a Gabe Vilardi, là, je pense qu'on a une UD Canvas de Andrei Vasilevski. Et Thomas Hertel. Là, on a une bonne variété là, des inserts. N'oubliez pas, restez jusqu'à la fin si vous voulez les détails du concours pour gagner. Si on a Carey Price, William Nylander, Gold Etchings et Mitch Marner. Pour gagner ce magnifique bâton Tim Hortons de McDavid. Je pense que c'est la série de l'année dernière. Alors, restez jusqu'à la fin. Espérant là, qu'on... Je dirais pas d'en trouver un jersey relic ou une signature. C'est sûr que c'est comme une sur 12 000 là, ou à peu près, là, mais on sait jamais. Zach Parise. Ah, parlant de Connor McDavid, photo finish ici. Et Matthew Tkachuk. Ici, on a Semyon Varlamov, Patrick Laine. Et Shea Weber. Quelle date on a-tu une seule de chaque? Peut-être qu'il nous en manque juste une. Je pense qu'il manque des promotions. Ici, on a Oliver Bjorkstrand, Elias Pettersson et Elias Pettersson. Donc, c'est un paquet Elias Pettersson. Oh. Les paquets sont un peu plus faciles à ouvrir. Ici, on a Quinn Hughes, Mark Scheifele, Yuli Canvas et Blake Wheeler. Un paquet des Jets. Ici, on a Ryan O'Reilly et Andrei Shevchnikov, une promotion, ce qui nous manquait. Et Alexander Barkov. Je pensais pas non plus l'avoir là, Andrei. Dans les promotions, j'en ai quelques-unes. C'est le fun d'avoir une Hockey Heroes, mais d'une autre Darnell Nurse. Quinn Hughes, nice. Et Nick Suzuki. Je pense que Quinn Hughes, par contre, là, c'est peut-être ma deuxième. On va avoir un autre UD Canvas. Ici, on a Vasilevski. Sidney Crosby Canvas. Nice. Et Pavel Buchnevich. On continue.
On a Mackenzie Blackwood, Connor McDavid, Gold Etchings, Johnny Gaudreau. Regardez la pile de gauche, là, j'ai été vraiment surpris. Le premier paquet. Si on a une Red Eye Cut, Ryan O'Reilly, Steven Stamkos et Logan Couture. Les die cuts, je pense que c'est peut-être ceux que ça prendrait le plus de temps à voir. Là, il y en a 50. Puis on a, même si les chances sont bonnes d'en avoir dans plus de paquets, JT Miller. Vu qu'ils n'ont pas été achetés au même endroit, ça se peut qu'on aille Brady Kachuk. Mais... que les odds soient un peu mélangés. J'achète pas 40 paquets dans le même magasin. Ici, on a Nick Suzuki encore, Kyle McCarr, cool, et Patrice Bergeron. Ici, on a Tim Stützle, Braden Point, photo finish, et Jeff Petrie. En ce moment, Jeff Petrie, je pense que je le mettrai aux poubelles. Canadien. Devrait l'échanger d'ici peu. Quoique un gros contrat. Un peu plus difficile, mais ça, on a Patrick Kane, Denis Gourianov, photo finish, et Connor Hellebuyck. On achève le paquet de droite. Ici, on a Philip Forsberg. Oh, Artemi Panarin, Superstar Showcase. Je suis pas sûr si je l'avais celle-là. Et David Pastrnak. Ici, on a Kyle Connor. Quinn Hughes, UD Canvas. Nice. Là, je dis UD Canvas, mais on dirait NHL Canvas. Thomas Chabot. Ici, on a John Gibson, Steven Stamkos, photo finish, et Matthew Barzal. Avec ce paquet-là, on va être rendu à la moitié, vu que j'en ai pris un de l'autre côté. On a encore une photo finish. Ici, on a Sidney Crosby, Philip Grubauer dans son... C'est moi qui est fou, la carte n'est pas comme les autres. Philip Grubauer, photo finish. Pourquoi est-ce que la photo est mate? Attends, on va la garder. Ici, on a Jacob Markstrom. Hein? Si on regarde là, les photos finish, les cartes sont lustrées. Puis cette carte-là, étrangement, est mate des deux côtés. Je sais pas si c'est une erreur, là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà eu. Ça fit avec le côté rétro là, du chandail des Nordiques. C'est vraiment étrange. Et voilà, on est rendu à mi-chemin. Ici, on a Chris Letang. Ouh, Nathan MacKinnon, Hockey Heroes. Nice. Ok, Rose, là, je pense que c'est 1 sur 24. On est déjà rendu à 2. Et Jordan Kyrou dans sa magnifique jersey des Blues. Alors, on va y aller dans la pile de gauche. On va peut-être être chanceux d'en avoir un autre, on sait jamais. Tim Stützle encore. Braden Point encore. Et Carter Hart. On va aller peut-être plus vite sur les cartes qu'on a déjà. Ce paquet-là a l'air un peu plus épais. Est-ce qu'on aurait un autre? Non. Je pense que c'est les die-cuts. Les die-cuts, on dirait qu'ils sont plus épais. Jordan Greenway, Claude Giroux et Yevgeny Malkin. Si on regarde, là. Ouais, les die-cuts sont un peu plus épais que les cartes régulières. Oh, celle-là, elle a l'air vraiment épais, le paquet. Une autre die cut peut-être. Oh.
Ok. Ty Smith, Jonathan Huberdeau, Superstar Showcase. Je me suis fait peur, je me disais c'est quoi cette couleur-là en arrière, mais non. Et Braden Point, faux espoir. On dirait que rendu là, tous les paquets ont l'air plus épais un que les autres. Ah, ça c'est effectivement Jenkinsol, Ovechkin, Dicot et Ovechkin. Donc, un petit paquet Ovechkin. Pour l'instant, le côté droit était pas mal meilleur. Si ça doit être un joueur des Stars, Josh Anderson, ouais. Encore Gurianov et Joe Pavelski. Oh, le paquet était à moitié ouvert. Hein. Si on a une autre photo finish. Oh, la Lafrenière, est-ce que c'est la première qu'on a? Je crois que peut-être que oui. Photo finish, Steven Stamkos et Evgeny Malkin. Et ce serait le fun, hein? Un petit jersey là. Ici on a Jake Gensel encore. Encore Steven Stamkos et Connor McDavid. Celle-là, ça va être encore un autre Red Die Cut, je suppose. Non. Arvidsson. Quinn Hughes, Superstar Showcase. Et John Klingberg. On va approcher là, des 10 derniers paquets. Ici, on a Bobrovski. Oh, Kaprizov, Red Die Cut. Nice. Et William Nylander. Ici, on a Leon Draisaitl. Miro Heiskanen Promotion et Mark Scheifele. Ça reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 8. Un autre hockey, Rose. Come on. Ou encore mieux, on sait jamais. Ça, on a Artemi Panarin, Mitch Marner et Kevin Shattenkirk. Claude Giroux, Pierre-Luc Dubois, Promotion, et Miro Heiskanen. Bon, j'ai rien dit, ils sortent pas plus facilement. Ici on a John Carlson, Carey Price, Photo Finish. Et Nikolaj Ehlers. Pour ceux qui ne savent pas, la semaine prochaine, on va ouvrir les cartes de foot pour le Super Bowl. Si on a Bowen Byram. Jonathan Huberdeau à l'envers. Coupé absolument atrocement. Et Rasmus Dahlin. Ouvrir des cartes de foot pour le Super Bowl. Bon, sauver ici, ça va être la première fois. Moi, j'ai vraiment hâte d'en ouvrir. Même si ceux qui aiment plus le hockey vont peut-être se dire que ça vaut pas la peine. Si on a Blake Wheeler, Joel Farabee et Ryan Getzlaff. Pour avoir une belle carte là, de Joe Burrow qui s'en va au Super Bowl avec son équipe Cendrillon des Bengals. On a Bowen Byram, Kiviranta, Photo Finish et Matthew Tkachuk. Deux derniers paquets. Je pense qu'on a un superstar. Sidney Crosby, Mitch Marner encore et Kevin Shattenkirk encore. Dernier paquet de cartes Tim Hortons. 2021-2022. Pas la version Team Canada, par exemple. Ça, il m'en reste. Ça va être pour une autre vidéo. Alors, on y va avec Gabe Vilardi. Mitch Marner pour la troisième fois en quelques paquets. Et Josh Norris. Alors, si ce qui complète l'ouverture des paquets, on va passer à l'après-match. Alors, pour notre après-match de cartes Tim Hortons 2020-2021, ici, on a
nos cartes de base, on en a 80 pour nos 40 paquets. Là, je t'allais un peu dans l'ordre des moins importantes, ceux que j'aime. Pas que j'aime le moins, là, mais. On a les Superstar Showcase. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a eu 8. Il y a des photo finish. On en a eu une tonne, souvent les mêmes. Mais ce que j'aime, c'est celle de Grubauer avec le Finima. Chandail des Nordiques. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, là, mais. Je suis pas sûr que c'est supposé d'arriver. Mais c'est pas grave. Ici, on a nos Red Die Cut. Avec Kaprizov en premier. Par la suite, on a nos Gold Etchings avec Connor McDavid. On a eu quelques-uns aussi des NHL Canvas. Quoique là, je ne peux pas le mettre plus bas. NHL Canvas, on en a eu 4. On a nos Promotion. 5 cartes Promotion. Finalement, nos Hockey Heroes, Nathan MacKinnon et Blake Wheeler. Alors, c'est ce qui complète là, l'ouverture des paquets. Pour le concours, là, j'avais dit de rester jusqu'à la fin. Le concours pour gagner bâton Tim Horton de Connor McDavid. Dans les commentaires, entrez hashtag paquet 50. Puis dites-moi là, quelle équipe est votre préférée. Vous allez gagner le chandail de Connor McDavid. Je vais mettre la date là, à laquelle ça va s'arrêter. Ça va peut-être durer pour le prochain mois. Question que tout le monde écrive un commentaire. Alors, c'est ce qui conclut l'ouverture de ce 24e épisode. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de surtout vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, on se voit dans un prochain épisode de Dans le paquet.